Donc je suis le vice-président du Congrès. Je suis vice-président du Congrès depuis maintenant 2 ans. Le Congrès des Gabins est organisé chaque 2 années pour étudier les problèmes du village, que ce soit des problèmes sociaux, que ce soit des problèmes économiques. C'est durant le congrès que nous discutons de l'ensemble de ces problèmes-là pour trouver des solutions. Le congrès est organisé chaque 2 ans. C'est pour cela que nous organisons cette année, en 2019, la deuxième édition de ce congrès-là. Quelle est la caractéristique ou la particularité justement de cette édition du congrès de Dakar? La particularité cette année, c'est que nous ne sommes pas limités à organiser un congrès. Parce qu'en général, durant le congrès, comme je l'ai dit, nous étudions certains problèmes liés aux aspects économiques et sociaux. Mais je parle de ceci, d'aspects économiques et sociaux. On parle de l'école, des problèmes de l'école par exemple, des problèmes de santé, des problèmes d'eau, d'électricité. Cette année, nous avons voulu apporter des modifications par rapport à cette organisation-là. Et c'est pour cela que nous avons décidé d'organiser une semaine que nous appelons les journées socio-économiques qui nous permettront de lier l'utile à l'agréable. Quand je parle de l'utile, c'est quand on parle des aspects économiques, des aspects sociaux, et quand je parle d'utile aussi, c'est quand on parle par exemple de. Quand nous organisons par exemple une conférence sur un thème que nous avons discuté, que nous avons choisi, un thème intitulé Sociologie, agriculture et développement, qui va être animé par des fils du village. Un sociologue, une nièce, une de nos nièces, qui est docteur en sociologie, et un agronome qui aujourd'hui travaille dans des projets, qui travaille dans des structures de développement, et ils sont assez bien placés du point de vue de leur qualification, du point de vue de la connaissance du village, pour développer ce thème que nous jugeons aujourd'hui assez important pour essayer d'éveiller notre population dans le sens de savoir ce qu'il faut pour aujourd'hui travailler dans le développement du village. Le développement du village ne peut se faire sans justement la prise en charge de certaines préoccupations du village. La principale ici dans cette localité est liée justement à la rareté du liquide, l'eau. Un seul puits qui est fréquenté par pratiquement toute la population de Dakar. Oui, je crois que c'est la principale préoccupation du village. Je crois que là où il y a vie, s'il n'y a pas d'eau, ce n'est pas possible. Et je crois que à Dakar, notre village, qui se situe tout près de Baïla dans le département de Bignona et dans la sous-préfecture de Ciel, c'est la principale préoccupation du village du Gata. Et comme vous l'avez si bien dit, le seul puits approvisionne toute la population du Gata en eau, je vais dire entre guillemets potable, ou bien en tout cas buvable. Parce que je ne peux pas, moi, en tant que je ne sais pas, quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'est pas technicien, je ne peux pas affirmer ici que l'eau du puits. Le village du Gatan est approvisionné en eau normalement par le forage qui est là, tout près de nous, à 5 km de là, dans le village de Baïla. Mais comme vous le savez, c'est un forage qui ne fonctionne pas. Ça fait maintenant 3 à 4 mois. En plus du fait qu'il ne fonctionne pas, les rares fois qu'il fonctionne, l'eau même n'est pas des fois buvable pour nos populations. Parce que l'eau n'est pas douce et les populations ont du mal à boire cette eau-là. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Vous savez, heureusement que ce puits-là qui fonctionne actuellement est pratiquement au milieu du village. Et du coup, certaines populations qui sont à peu près à 2-3 km font le déplacement sur ce puits, au niveau de ce puits-là,
pour s'approvisionner en eau. Et vous pensez déjà, vous discutez que ces populations vivent pour avoir de l'eau buvable, je ne vais pas dire potable, mais buvable. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation? C'est l'avancée justement C'est l'avancée de la langue salée. Au début, ça fait 30 ans de cela que nous avons commencé à sentir cette avancée de la langue salée. Au début, c'est tout à fait du côté de l'ouest, c'est-à-dire les deux maisons du village qui sont du côté de l'ouest, qui ont commencé à sentir cette salinité-là. Et ces populations ont commencé à avoir des difficultés et à devoir se déplacer vers les quartiers qui ne sont pas affectés par cette situation. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est-à-dire en 2019, aujourd'hui, là, nous devons dire que tous les puits du village sont infectés, sont salés. Et là, le puits qui fonctionne actuellement, l'unique puits qui fonctionne actuellement, est tout à fait hors du village, dans les champs. Et c'est là où nous avons eu la chance que le projet Paderka, c'est le projet Paderka qui nous l'a offert, et c'est ce qui permet actuellement à la population d'avoir un peu d'eau à boire. Autre problème qui mine un peu le développement de la localité que vous avez eu à identifier? Les problèmes sont nombreux. Bon, déjà les problèmes de santé. Vous savez que nous avons une carte de santé que nous ont offert nos partenaires, c'est les partenaires français, qui nous ont offert cette carte de santé qui fonctionnait bon an, de manière vraiment propre. Mais on s'est retrouvé dans des situations telles qu'elle est actuellement fermée et du coup elle ne fonctionne pas. Avec tout le matériel qu'il y a dedans, avec tout ce qui a été commodité pour pouvoir au moins soigner certaines maladies ou bien prendre des injections. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation telle que cette case-là n'est pas ouverte, elle est fermée et du coup, elle ne fonctionne pas. L'autre difficulté, je crois que c'est l'école du village. L'école du village de Gatan était une des écoles, en tout cas, qui faisait de très bons résultats. Et pour la petite histoire, nous avons été une fois été félicités par le ministère, en tout cas, de l'éducation, pour les bons résultats que procurait l'école de Gatan. Pour vous dire aujourd'hui, tout à l'heure, on nous a présenté un parrain, docteur Omar Patrice Poli, qui a étudié tout son cycle primaire ici. Donc c'est pour dire que l'école de Gatan, tous les cadres de l'école de Gatan, on peut dire qu'ils sont pratiquement à 90% sortis de cette école-là. Aujourd'hui, nous avons des médecins, nous avons des dentistes, nous avons des colonels, des commandos, des capitaines, nous avons des professeurs, nous avons dans tous les domaines, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des ingénieurs qui sont sortis de cette école-là. Mais aujourd'hui, cette école n'est pas un modèle de réussite aujourd'hui. Aujourd'hui, l'école est en état de délabrement très avancé. Et je crois que la visite que nous avons eue à faire tout à l'heure vous l'a bien montré. Et aujourd'hui, cette école-là n'est pas une fierté pour nous. Parce que nous, en tout cas, les natifs, en tout cas, ceux qui ont réussi à partir de ces écoles-là et qui sont dans des grandes sociétés ou bien en tout cas dans des grands organismes du Sénégal, aujourd'hui, nous ne nous reconnaissons pas dans cette école-là. Parce que aujourd'hui, c'est honteux de voir ces images-là, là, ce que nous avons dû voir aujourd'hui concernant la situation de cette école-là. Aujourd'hui, quel est l'appel justement strident des populations de Gatan par rapport à cette situation? L'appel que nous lançons, déjà nous qui organisons ces manifestations, c'est à notre niveau déjà. C'est quoi? L'appel, c'est de demander à tous les fils du village de se mobiliser, de se serrer les mains, de se serrer les ceintures, de conjuguer nos efforts pour développer notre village. Parce que nous avons les moyens, comme je l'ai dit, nous avons les moyens naturels. Nous avons des terres, nous avons un marigot, nous avons des jeunes, c'est-à-dire nous avons des bras qui, mis ensemble,
devons pouvoir faire quelque chose pour ce village-là. Nous lançons en même temps un appel aux autorités administratives et en tout cas de ce pays pour nous aider à développer ce village-là, à améliorer les conditions de vie de ce village-là, des villages, des populations. Parce que pour nous, aujourd'hui, c'est cet enjeu-là, que c'est ce combat-là que nous menons. Et nous espérons que cet appel-là sera entendu et que les autorités nous aideront à améliorer cette situation.